roi de la qualité, j'occupe beaucoup de pages. Quand je lectionne le cahier qui me parle de ménage, me gaffe sans fait de fêtes d'hiver jusqu'à l'indigestion. Je suis mal informé. Amis, bienvenue dans ce tutoriel Les vulgaires machins puis sans fond. Aujourd'hui, ça va être un cours pour les guitaristes intermédiaires. Donc, aujourd'hui, les accords A, E, F dièse mineur et D. Donc, ça, c'est les accords ouverts, les accords de base. Puis, je vais vous montrer les power chords. Donc, les power chords utilisés souvent en punk rock, là, des accords super faciles. Donc, l'intro en accord ouvert. Comment on fait ça, les power chords? Il y a deux shapes. Première shape, avec nos trois doigts, qui sont le premier doigt, deuxième doigt et troisième doigt. On vient s'installer notre premier doigt sur la sixième corde, cinquième case. On va faire un A. Mon premier doigt, ce qu'il vient faire, lui, là, c'est qu'il vient muter les autres cordes. Donc, installez-vous, puis venez muter les cinq autres cordes, mais la première, je viens la pincer. Puis, je viens mettre mes deux autres doigts sur la cinquième et quatrième corde. Puis, les autres sont mutés. Comme ça, quand je vais faire la rythmique, c'est juste les cordes que je pince qui vont sonner et non toutes. Je fais pas un barré. Sont mutés. Donc A. Ensuite, on fait la même chose, même shape, mais on descend tous nos doigts. Ça, c'est D. Mais là, on va faire, pour cette progression d'accord-là, on doit se tasser de deux cases. Donc, on descend tout de 1, puis on se tasse de deux cases. Puis on fait la même chose. Donc ici, soit qu'on vient pincer, muter, excusez-moi, la première corde, juste avec le bout de mon doigt, de le bout de mon premier doigt, ou je vais pas la jouer quand je vais faire la rythmique. Vous avez le choix ici. Ensuite, F dièse. Il n'y a pas de mineur dans un power chord, juste F dièse. Puis, on revient à D. Donc, A, E, F dièse. Ok. On peut faire exactement les mêmes accords, mais au bout du manche, au début du manche ici. Donc A. Je viens juste pincer. Même principe, je viens muter les dernières ici. Je viens pincer la corde A à vide. Puis la corde 3 et 4. Sont mutés. Puis, F dièse. Donc, on peut faire le F dièse 6. C'est la même accord, mais deux couleurs différentes. Donc, on peut faire
Et on finit avec, sur le D ici. Qui est toujours la même shape que je vous ai montré tantôt. Donc on peut faire la même progression d'accords de deux manières différentes. Donc ici. Tout ce que j'ajoute, c'est du palm mute. Palm mute, ça veut dire que je viens muter les cordes avec ma paume de main. Donc, le rebord de ma main ici. Puis, je m'installe sur le bout des cordes ici. Pas plus vers ici, plus vers le chevalet. Installez-vous en power chord. Ok. Donc, quand, dans le fond, tout ce que je fais, c'est que je fais les accords ouverts. Quand je veux mettre l'énergie, donc comme dans l'intro. Fait que je fais juste des coups vers le bas. Je collectionne mes par le ménage. Je me guette sans fin de feu d'hiver jusqu'à l'indigestion. Je suis mal formé. Donc, ici, ce que je veux faire, c'est que je vais passer de power chord à, pour le refrain. Je suis comme le sans fond. Je suis comme un sans ici, comme je vous disais, ou ici. Peu importe, faites ce que vous voulez. On peut, vous pouvez même les mélanger, comme je fais présentement. Les amis, on se revoit pour un prochain tutoriel. Ok, bye bye. Thank you.